C'est-à-dire qu'en parallèle, on a l'émission pour chercher les victimes et en parallèle, on met le réseau d'eau pour alimenter le camion pour pouvoir aller éteindre l'incendie. Là, notre difficulté, ça va être le mélange de produits. Ça va être de savoir si on peut, avec le chimiste, parier si ce qui est stocké, on a juste des produits qui vont réagir dans les scénarios, ou alors des produits qui vont interagir avec eux et vont nous donner d'autres produits. Donc là, plein de premières on fait le tour. On va sur la RD2 pour confirmer en mesure de précaution, confinement de Sarceau. Une fois qu'on a les premières données, on confirme ou pas le périmètre et on va se rapprocher de plus en plus vers la source. Et notre étude va être basée sur la source, donc c'est le feu, les flux, donc ça va être le flux thermique, ça va être le flux toxique pour ici, et après ça va être tout ce qui est pour l'extinction qui part là. L'urgent pour nous, c'est tout ce qui est dans les airs, les fumées, d'accord. Essayer de trouver un catalogue et de trouver s'il y a un polluant ou pas, et de le quantifier. Derrière, on va demander des renforts. Dans un premier temps, on va travailler avec l'entreprise pour qu'ils nous donnent tout ce qui est en stock. Ils vont travailler avec leur chimiste et nous, on va activer notre cellule d'urgence pour savoir si les produits qui sont stockés peuvent interagir ou pas. Là, ils peuvent nous dire en temps réel combien ils ont de produits, quels sont les produits. Donc là, ils vont pouvoir nous donner toutes ces informations-là. Et après le recueil de ces informations-là, par leur spécialité, eux, avec leur travail d'analyse, vont pouvoir dire en relation avec le chimiste et si c'est cohérent avec ce qu'on trouve sur le terrain.